Salut à tous, c'est Lucas du Versa de Gaming et aujourd'hui on se retrouve sur Journal Mobile Challenge 2. Je suis toujours avec. Le match 2 devrait pas tarder à commencer. Attends juste. Aide et options. Caméra is real. Non, c'était pas ça. Ça, on va. On va enlever les commentaires. Et puis voilà. Et on va baisser un peu le son de la télé. C'est Match Pro D2 pour ceux qui. C'était qui avait demandé? Oh, je sais plus. On nous avait demandé un Match Pro D2. Et voilà, le voilà. On nous avait pas proposé, pas précisé, pardon, les équipes. Oui, ouais. Donc. Ben, ce sera Albi Lyon. Ah, le ballon s'est enfoncé dans la pelouse. Avec. En guide Albi, comme vous aurez pu le constater. Voilà, pour les connaisseurs de rugby. Allez mec, on joue au mouvement. Yes. On a pris un stade universitaire. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un stade petit pourri en gros, on va dire. Ouais, voilà. Enfin, après, à vous de noter comment vous le notez. Enfin, si vous voulez le dire s'il est vraiment pourri pour vous ou pas. Ouais, voilà, dites-le. Hop, Alice. Oui, cette année, il est à casse. Ouais. À partir de cette année, oui. Il était. Oui, il était pas. Oh là là, le collectif. Je veux mettre le feu là. Mais. C'est une blague. Mais t'as vu. Oh, y a la marque Triton là, derrière. C'est une blague. Ils mettent des marques dans ce jeu, regarde. Ah ouais. Triton, c'est la marque de mon casque et tout là. Ah ouais. Ok, ils mettent des marques dans ce jeu. On l'a vu. Je savais pas du tout, tu sais. Je savais pas du tout qu'ils mettaient des marques. Les clés. Si vous voulez. Oui. Il s'applaudit. Il fait coucou comme la Miss France. Il est Gunther. Bon, le vin est contre nous. Et on a déjà pris un essai. Bon, allez, on rentre dans le match là. Ouais, parce que là c'était un peu de reprise en main. Ouais, donc là, qui c'est qui va attraper ce ballon en premier? Laissez-moi. Poussez, 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 poussez. Poussez, madame, poussez. Oh! Oh là là! Ils perdent le ballon. Ah non, ils ont failli perdre le ballon dans leur moitié de terrain, presque dans leur 22 mètres. Les tarnés qui essayent de rattraper la balle. Oh là là, on a perdu le ballon. C'est pas possible. Le loup du lion face au tarné d'Albi. Avantage pour Lyon. On quitte, on quitte. On rush kit, on rush kit. Non, pas comme ça. Oui, rush en commun cède, tu te souviens? Ah oui. Ouh. Voilà. On l'a gagné. Allez, un mouvement. On joue en mouvement. Allez, allez. Écœur. Oh là là. Oh là là. Oh, mais c'est Krashka qui l'a eu. C'est vrai, ça s'appelle comme ça. Écœur, Krashka, au moins. C'est un Krashka qui l'a eu. Ouh. Ouh. Allez, allez. Va à droite. À gauche. Et il décale largement vers la gauche. Avec Ekster. Ekker. Ekker. Gros plaquage et avantage pour Lyon. Car je crois qu'il avait un petit hors-jeu sur le plaquage. De Ekker. Voilà. Ekker. Et le dégagement. Avec un gros. Allez, pas plaquage. Allez, Geoffrey Palisse qui va. Oh là 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 là, le vent qui a décalé ce ballon. Il y a un truc de. Il faut plaquer ce mec. Ouh. Il a failli se prendre la pub là. La pub, c'était quelle pub? Mais quand même, ça m'étonne hein, qu'il ait détruit Triton et tout là, ça m'étonne. La pub Triton, justement, dans la gueule, il a failli se prendre. Je crois pas que ce soit Triton. Alors. Si, si, il avait pile en face. Regarde. Oh je parle pas à toi, je parle à lui. Oui, bah oui. C'est lui qui a intercepté.
Si on joue rapide dans ce match. Ouais. Même si on a 5. Justement parce qu'on a 5 essais. On a 5 points de retard. Déjà. Avec Kéker. Kéker qui est parti tout seul. Kéker. Attention Kéker. Et je pense qu'il ne se fera plus rattraper si le coup du pied par-dessus il a récupéré. Eh oui, je suis debout dans ce stade universitaire. Et Kéker qui marque. L'essai de la. L'essai de la. De l'égalisation, pardon, excusez-moi. De Baptiste Ecker. Donc, ce coup de pied très très bien négocié par Ecker. Et là, j'étais debout parce que je croyais qu'il n'allait pas arriver au bout. Donc, je me suis mis debout pour essayer de l'aider. Le coup de pied tapé, il en met 3 dans le vent du coup. Récupération entre le 12 et le 5. Et voilà. Et aplati. Et le 13, du coup, il de malade. Voilà. Voilà, Samuel Marquez pour la transformation. Il y a beaucoup de vannes, donc. J'espère que j'aurai pas abusé. Et voilà, 7-5. Les Albigeois repassent devant les Lyonnais. Dans ce match, c'est très serré. C'est très très serré. Voilà. Et est-ce qu'ils ont Chabat à la 8? Je ne sais pas. Faudra faire gaffe à le voir ça. Marquez. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Ouais. Une égalisation. Ça va être un des meilleurs joueurs. Lyonnais, Chabal. Et Pali, c'est un des meilleurs joueurs. Il était dans ses 22. Et oui. Étant donné qu'il joue presque 22. Il était dans ses 22, donc cette touche n'est pas directe. Il était à la limite des 22. Cette touche est située entre les. Ah, on aurait pu l'applaudir. Ouais, pour une seconde de fois. Ils ont reculé de 10 mètres. Ça aurait été son jour de gloire. Un jour de. Ouais, gloire. Oh lolo. Poujol. Je rêve ou c'est Chabal. Ah non, je pensais que c'était. Je croyais que c'était Chabal. Ça aurait pu. Poujol. Ah non, ce n'est pas lui. C'est bizarre, on dirait que. On est plaqué parce qu'ils vont nous en mettre un, je sens là. Avant la mi-temps. Allez. Il est passé. Oh non, tu vas pas aller loin. Oh, tu sais, il aurait pu. Hein. C'était Moucheron. Vas-y, à droite. Y'a personne, vite. Oh, putain, la passe. Replaquage. Et le ballon qui va être. Lyonnais. Le ballon qui est Lyonnais. Les Albigeois qui ont un peu de mal dans cette fin de période, de première période, excusez-moi. Ils ont avantage. Et voilà, avantage pour les Albigeois, le ballon récupéré. Il faut le jouer l'avantage. Ah ben tiens, il n'y a plus d'avantage. Bon, il faut garder ce ballon si on y arrive. Je sens qu'on va aller à la 80e. Mais que ce sera pas la fin du match. Ouais, ce sera que la première période, tu veux dire. Ce sera. Vas-y, à gauche. Si tu peux la. Oh, joue vite si tu veux. Vite. Il va aller en touche. Avantage. Quoi? Ah non. Ah. J'ai peur là. J'ai pas tout compris là. Bon, vas-y. Je crois que le jeu a bugué du coup. Il a failli passer. Vite, il faut qu'il vienne. Peut-être vu qu'il y a eu faute. Attends, je vais péter les gros. Les gros. Ouh, non, c'est une blague. C'est une blague. Il y a essai normalement. Monsieur l'arbitre, il va écarter à gauche. Il faut pas louper ce ballon entre les poteaux. À gauche. Il y a personne. Bon, et l'essai. Quoi? Oh putain. Attention. J'ai essayé d'Albi, non, 12-7. Et voilà. Tu sais qu'il y a l'arbitrage vidéo dans ce jeu? Oui, je sais. De Anthony Pujol. Voilà, et pas Anthony Classen, et pas Carles. Non. Voilà. C'est les frères des deux. C'est un mix. C'est un mix, voilà. Voilà. Mais 61e, non, 62e même.
c'est la mi-temps, à la 70e. C'est plus une blague, finalement. 14-5. On a bien maîtrisé le ballon. Voilà. Et c'est bien que l'arbitre nous ait laissé la pénalty. Ouais. Merci. Dédicace à monsieur l'arbitre, yesh. Et voilà, c'est reparti pour la seconde période. On perd pas de temps, du coup. Renault. Qui a bien plaqué. On n'a pas de changement à faire, puisque on connaît pas trop. On connaît pas trop les joueurs, à part Palis. On va se dire qu'on les connaît pas du tout, même. Ouais. Pourtant, c'est ma ville natale. Ouais. Ah bah après, un rugby, on peut pas tout connaître. Oui. Voilà. Soit c'est... t'es pas obligé d'aimer ta ville natale quand tu... Quand tu nais dedans. Voilà. Ouh, bien ça. Allez, récupérez. Mozzarella. Je croyais qu'il s'appelait Venezuela, tu sais. Ouais, ou Mozzarella. Ça aurait pu être. En plus, avec un avantage. À gauche. Ah non, trop tard. Ouh là là. À gauche. Ah putain, on va la perdre. Putain, on perd le ballon, c'est pas possible. On dirait Chabal, ça. Ouh. On dirait pas Chabal, ce mec. Pujol, du coup, voilà. Qui a fait un plaquage. Après, faut voir. Non, il n'y a pas l'arbitrage vidéo, donc on peut pas voir si c'est Chabal. Mais non, mais l'arbitrage vidéo... Oui, non, mais... Blessé. Bah. Le mec, il part le chercher. Fais gaffe de pas te blesser sur le carrelage. T'imagines, sa mère, lui dit ça. Elle lui crie des tribunes. Fais gaffe, tu vas glisser sur le carrelage. Geoffrey Palis qui va loin dégager ce ballon. Loin dégagé. Oui, ça se dit. Par contre, on pourrait ne pas être au jeu là. Comment il a réussi à donner, on m'explique, je ne sais pas. Il y a Bonnet qui se jette par terre là, il va salir son Bonnet. Plaquage. Il se le tabasse contre la pub. Mais non, mais c'est pas possible. Il était déjà dehors. Mais monsieur l'arbitre, des snipers vous attendent à la sortie. Ah, excuse-moi, je suis pas à Marseille. Mais voilà, il y a Paris. Eni, en avant, Eni. Allez, hop, reformat. Mais il était déjà dehors, donc du coup, on pouvait lui faire tout ce qu'on voulait. On pouvait lui taper dans le ventre avec ses crampons, lui marcher dessus, là. Puis on pouvait tuer. Ouais, voilà, on pouvait faire tout. Du moment qu'il était à l'extérieur. Allez, faut écarter tout ça, oulala. Écarter, on ne pouvait pas faire plus que Pujol. Il y a un peu trop de déchets là pour l'instant dans le jeu albigeois. Oulala. Vas-y à gauche. C'est qui la récupère. Hop. Ouh. La passe, on va dire. Limite en avant, limite levé. Attention. Oh, ce qu'il a mis. Oh là là. Allez, il s'est fait plaquer, mais c'était remarquable. Le vent qu'il a mis. Attends, je vais essayer de le faire péter. Là. On va voir ce qu'il fout. Allez, à droite. Quelle longue passe. À droite, il y a Iker. Eh bien, vas-y, fais là la passe. Et voilà, il est tout seul pour Raymond. Renault. Raymond, de scène ménage. Non, Renault. Voilà, donc 19 à 5 à faire la dame. Finalement, l'essai de Lyon, il gâche un peu toute l'euphorie du match. Voilà. Vraiment. Et en plus, même à 14 contre 15, ils nous font quand même chier, ces deux. Ouais, voilà. À 14 contre 15, on arrive à marquer quand même. Ouais. Parce que on dirait fort, que c'est eux qui sont à 14. Parce qu'il y a beaucoup plus de trous, on dirait. Ouais, du coup. Avec tous les trous du cul qu'il y a sur l'intérieur. De leur équipe, je parle. Évidemment. C'est méchant. Mais c'est... Mais c'est moins moche et méchant, voilà. Pardon. Non. Alors, est-ce qu'il rentre Mister, oui, c'est bon. Mister, je sais pas qui, là, est rentré. Nalé, sort et marche. Marchoir. Mais puisqu'il y a Nalé, il y a Chabal, là. Vas-y, fais la passe.
On décide d'avancer avec les gros là. Elle est rapide. C'est possible aussi. Ouais. Quand même. Oh. Tranquille. Faut savoir qu'il est 6h. Oh, il est passé. Faut savoir qu'il est 6h du matin. Moi je rigole. Il est. Je sais pas quoi. Attends, juste pour voir l'heure. Voilà, il est 9h47. Merci. Du soir. Touche, monsieur. Non. Monsieur, mais le ballon est dedans, mais c'est pas possible. Mais cet arbitre, quel salaud. Non, je déconne. Avantage. Tu sais qui c'est qui disait ça? Non. Thierry Roland. Ah. Tu sais qui c'est celui qui est mort là? Ouais. Celui qui a dit après la finale de la Coupe du Monde. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Voilà. Mais le plus tard possible. Voilà, c'est... Voilà. Il a de la chance, il est mort avant le carnage. Fait par l'équipe de France, bien sûr. Oui. Oh, il a joué vite, c'est pas possible. Allez. Non, droit de terre. Bim, tu voulais aller loin. Eh ben non. T'as quand même été aux 50 mètres. Il croyait aller chez sa mère. Ah ben là, il aurait été très mal reçu. Il aurait été chez ta mère. Allez, enlève ses chaussures. Mais j'ai mal au pied, mais ta gueule. Déjà à la fin du match, ouh, ça passe très vite. Hein. Moi j'ai pas vu le temps passer. Oh là là. Oh là là. Avantage terminé. Voilà, faut pas qu'on perde ce ballon. Ah, cette fin de match. Vas-y. Mais vas-y. Qu'est-ce qu'il a là? On reconnaît même pas l'arbitre des joueurs. Vas-y, à gauche. D'accord, je ne voilà, même pas tirer. C'est la fin du match. Voilà, c'est la fin du match 21-5. J'ai marqué tous les essais. Ouais. Allez, tu sors, moi je déconne. Je déconne. Mais c'est aussi toi qui as fait le trou pour laisser Lyonnais. Voilà. Voilà, ben 21-5 pour les. Pour Tarnés. Pour les fesses. Donc, il était beau, ce stade. Voilà, mais il n'a pas porté chance au Lyonnais. Bon, on va se quitter sur ses stats, voilà. Donc, vidéo, on va dire, moyennement courte. Ouais, 17 minutes, ouais. Bon, voilà. Bon, ben... À la prochaine et à toi José. Ciao, bonsoir.